Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat, de Sud Radio et de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Virginie Calmels. Bonjour. Bonjour, Cyril. Bonjour, Virginie Calmels. Vous êtes première adjointe LR, Les Républicains, au maire de Bordeaux, Alain Juppé. Vous êtes conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine, l'appellation officielle de la région depuis hier soir. On va en parler dans un instant. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour, Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour. Bonjour, mon cher Gilles. Virginie Calmels, la grande région issue de la fusion des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes s'appellera la Nouvelle-Aquitaine. Un nom approuvé majoritairement hier à Bordeaux par l'Assemblée plénière du Conseil régional. Ce mot nouvelle est une façon de regarder vers l'avenir, a dit Alain Rousset, le président du Conseil régional. Alors, est-ce qu'il y a un consensus sur ce nom avec la région? Et Alain Rousset a déclaré chez nous il y a quelques semaines, il était notre invité pour une émission spéciale à Bordeaux, qu'Alain Juppé était un homme d'État. Alors est-ce que ça ne vous place pas dans une position un peu compliquée avec lui sur le plan régional? Pas du tout. D'abord, le fait qu'il reconnaisse qu'Alain Juppé est un homme d'État, ce n'est pas un scoop. Et je crois qu'il y a de nombreuses personnalités, qu'elles soient de droite ou de gauche, qui s'accordent à le dire. Mais vous êtes son opposante sur le plan local. Je suis donc présidente du groupe d'opposition à la région. Et sur le nom, justement, j'ai considéré que ce n'était pas un sujet politique. C'était un sujet qui devait dépasser ses clivages politiques. Il se trouve qu'on a beaucoup de mal, finalement, à trouver une appellation à cette grande région. 84 000 km², 12 départements. On a construit une région XXL, honnêtement. La plus longue en étendue de France. C'est la plus grande de France. On n'était pas particulièrement favorable à cette réforme territoriale. Et on voit bien la difficulté que ça peut occasionner en termes d'identité. Donc ça n'a pas été facile de trouver un nom. Maintenant, se rattacher à l'histoire, et notamment au duché d'Aliénor, faisait sens. En tout cas, en ce qui me concerne, moi j'ai considéré que ce n'était pas un combat politique et qu'il fallait laisser à chaque élu sa liberté, et notamment parce que le sujet est plus territorial que politique. Donc le groupe Les Républicains a voté favorablement, tout en laissant à certains élus l'option de s'abstenir, voire de voter contre, ce qui a été le cas pour quelques élus picto-charentais ou limousins, qui considéraient que cette appellation ne traduisait pas la prise en compte de leur identité. Mais derrière le nom, pour moi, ce qui est plus important, c'est le projet régional, c'est ce qu'on en fait, c'est l'identité qu'on construit, et puis c'est la gouvernance. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas en accord avec Alain Rousset. Je pense qu'on pourrait passer au 21e siècle, travailler de façon beaucoup plus décentralisée, donner des pouvoirs à la fois à Poitiers et Limoges, qui sont des capitales territoriales, ainsi qu'à Bordeaux, et tenir davantage compte des diversités des territoires. Une opposante ferme. Constructive, on va dire. Voilà. Ce débat a tout de même intéressé les citoyens de votre région. Je crois qu'il y a eu 40 000 propositions. Il y a déjà des pétitions qui circulent en disant c'est pas le bon nom. En fait, du point de vue de la pratique politique, vous qui êtes un peu nouvelle encore dans cet univers-là, est-ce que la pratique de la pétition, du référendum, on en parle beaucoup en ce moment, je pense à Notre-Dame-des-Landes encore, est-ce que c'est quelque chose de moderne? C'est quelque chose que vous pourriez pratiquer un jour à Bordeaux? C'est bien de demander l'avis des citoyens? Oui, alors moi j'aime bien l'idée de concertation, et je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus un seul homme ou femme politique locaux qui ne font pas de la concertation. Après, il y a le temps de la concertation, il y a le temps de la décision. Après, il faut faire toujours très attention aussi au fait que c'est souvent les opposants qu'on entend. Et il faut quand même arriver à pondérer le poids de ces opposants. Parce qu'on veut vous dire, il y a une pétition qui circule, c'est vrai, mais que représente-t-elle au regard de tous les habitants d'une grande région? Et c'est là où c'est pas toujours simple. Mais c'est pour ça qu'il faut utiliser des outils de démocratie participative. Internet nous offre cette possibilité. Moi, durant la campagne, j'avais sollicité les citoyens par Internet pour le nom de la région. Après, il y a un moment donné où, de toute façon, l'unanimité n'est pas possible. Et sur ces questions-là, il y aura toujours des opposants. Il faut que ce soit le plus limité possible en nombre. Et surtout, que ce soit pas une violation des principes fondamentaux, des valeurs communes qui nous animent et de l'identité que nous devons, nous, politiques, avec les citoyens, bâtir ensemble pour donner de la force et du rayonnement à cette région. S'il y a pétitionnite, que ce soit pour le nom Nouvelle-Aquitaine, que ce soit pour le référendum de Notre-Dame-des-Landes, que ce soit pour contester le Brexit en Grande-Bretagne, est-ce que ça veut dire quand même qu'il n'y a pas aussi un déficit à la base d'explication, de consensus et un pouvoir qui se révèle faible?
Je crois que le consensus, même si c'est une belle idée, vous savez, c'est compliqué quand vous faites, quand vous allez de l'avant, quand vous prenez des décisions, d'avoir 100% des gens qui sont d'accord avec vous. Donc il ne faut pas non plus imaginer que tout doit être complètement consensuel, parce que là, on est un peu au pays des bisounours. Évidemment qu'il y a toujours des gens qui sont en opposition. Et c'est là où je crois que la responsabilité politique, c'est justement pas de balayer d'un revers de la main quand ces oppositions ont du sens et sont largement partagées, mais également de savoir à un moment donné avancer, parce que si on écoutait tous les recours systématiques, il n'y a aucun projet qui se ferait dans ce pays. Donc la démocratie participative a ses limites. Je pense qu'elle est très importante à partir du moment surtout où elle est représentative. C'est-à-dire que moi, je serais plutôt pour habituer le citoyen à donner son opinion, mais pas systématiquement sur le projet d'opposition. De dire plutôt plus généralement, soit les citoyens veulent être dans la concertation sur des projets locaux, notamment, c'est ce que l'on fait quand on redessine une ville, mais il faut habituer le citoyen à donner son avis systématiquement. Et là, je trouve qu'il a beaucoup plus d'impact et de poids. Mais vous pourriez reprendre vos propos. Quand on regarde ce qui s'est passé en Angleterre, vous dites que Cameron a fait une erreur politique en provoquant ce référendum, en demandant l'avis des Anglais. Oui, enfin, je crois que oui. Je crois que la réponse est oui. Pourquoi ? Parce que là encore, il y a d'abord des sujets avec lesquels je pense qu'il ne faut pas jouer avec le feu, et que demander un avis, ça dépend, comme toujours, s'il est éclairé, à quel moment, ce qu'on a comme contrepartie à offrir, et si ça fait réellement sens historiquement. Je pense que Cameron a simplement jouer avec sa propre réélection et avec sa volonté de se maintenir au pouvoir en donnant cette contrepartie aux opposants à l'Europe. Est-ce que historiquement, pour l'Angleterre, il aura été l'homme d'État ou au contraire celui qui a pensé à son intérêt particulier ? Voilà, l'histoire semble lui donner tort sur le timing et surtout la façon dont ça a été préparé aussi. Parce que dans ces cas-là, il faut redoubler de pédagogie pour expliquer finalement pourquoi il fallait rester. Alors, c'est peut-être là que l'Angleterre a échoué. À partir de maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a bien lu attentivement les propositions d'Alain Juppé, dont vous êtes très proche, hier dans Le Monde, les 5 piliers. Il dit aussi qu'il faut prendre son temps pour vraiment tirer les leçons. Ça veut dire qu'il faut sans doute remettre un certain nombre de choses à plat. Et peut-être un jour, mais au moins dans 6 mois, peut-être imaginer un référendum pour un nouveau traité. Vous êtes, vous, pour un nouveau traité européen, où il faut être très pragmatique, comme le dit plutôt François Fillon? Je crois qu'ils disent un peu la même chose. Il faut être pragmatique, oui. Et en même temps, il ne faut pas décaler les décisions, et ce n'est pas ce que dit Alain Juppé. Tout de suite, maintenant, l'Angleterre s'est prononcée, et il n'est pas question, notamment, qu'il préside au deuxième semestre 2017. Donc il faut qu'il sorte vite. Donc, confirmer ça. Bien sûr, je pense que là, il n'y a pas de débat, et c'est parce que Alain Juppé est clair avec ça. Derrière, là où Alain Juppé dit qu'il faut prendre son temps, c'est parce qu'on comprend bien qu'on ne va pas continuer comme avant. Ça, c'est certain. Donc, c'est une refondation de l'Europe à laquelle il invite, en fait, les Français. Et s'il est président de la République, c'est bien cette mission-là qu'il se donne. Et il faut notamment un président de la République suffisamment fort pour peser en Europe dans les négociations avec nos partenaires. En refondant cette Europe, et vous avez rappelé donc ces 5 points, il est très clair. Après, derrière, il faut se donner le temps de cette refondation avant de reconsulter les peuples qui restent souverains. Et de ce point de vue-là, il n'est pas contre absolument un référendum. Il dit qu'il faut d'abord avoir un projet à offrir et avoir réconcilier les pays de la zone euro, notamment sur les principales mesures. Alain Juppé veut relancer la zone euro en plaidant pour une harmonisation fiscale. Ça ressemblerait fiscale, à quoi ? Sociale, oui, voilà. Et ça ressemblerait à quoi ? Écoutez, on sent bien qu'on est à la limite d'un exercice et qu'on ne peut pas continuer à avoir une telle distorsion dans des pays qui finalement sont très voisins et continuent à faire du business ensemble. Donc il y a un moment donné, on a besoin de tendre vers une harmonisation et fiscale et sociale. Voilà, le sujet des travailleurs détachés, c'est un exemple. Voilà. Les travailleurs détachés, c'est un vrai sujet dont l'Europe doit se saisir avec les principaux pays qui
fondent, qui refonderaient cette Europe en disant voilà les règles que nous appliquons à tous. Et on ne peut pas avoir des distorsions aussi fortes. Et c'est aussi dans cet esprit-là, je crois, que Alain Juppé veut peser en Europe pour arriver avec les principaux pays à tendre vers une harmonisation. Par exemple, vous seriez pour un régime fiscal le même en Allemagne et en Angleterre pour les entreprises et les particuliers. Bah, globalement, comme vous le voyez dans le programme d'Alain Juppé sur l'économie, l'idée est de tendre vers le moins de distorsions possibles. Ce n'est pas en un claquement de doigts, malheureusement, qu'on peut réduire les écarts, et notamment de fiscalité des entreprises ou sur les charges sociales, mais tendre vers effectivement la convergence des taux d'imposition sur les sociétés ou des charges sociales, ça reste quand même notre objectif. D'abord, c'est un objectif pour remettre en situation de compétitivité nos entreprises, mais c'est aussi l'objectif de construction d'une Europe qui fonctionne, parce qu'à quelques kilomètres, on ne peut pas avoir autant de distorsions dans l'approche fiscale notamment. Aujourd'hui à Paris, 11e manifestation contre la réforme du Code du travail. La dernière manifestation, c'était un peu compliqué à l'organiser. Cette fois-ci, ça a l'air un peu plus facile. Quel est votre regard, même si vous êtes à Bordeaux, il y aura une manifestation aujourd'hui d'ailleurs, chez vous ? Il y en a eu quelques-unes. Mon regard, c'est que je crois qu'il y a un moment donné où il faut que les instances syndicales aussi passent au 21e siècle. On est pour le dialogue social en entreprise. Je pense que c'est là et c'est le lieu où les échanges sont constructif. C'est toujours la même histoire, c'est comme l'opposition à la région. Vous voyez, je pense qu'il faut, dans la vie, pouvoir être dans l'opposition, mais constructive. Si c'est bloquer un système ou si c'est vouloir camper sur ses positions comme au siècle dernier, eh bien malheureusement, ça empêche toute évolution et toute modernisation. Et là, pour le coup, j'invite la CGT à quand même réfléchir au fait qu'elle est simplement dans la défense de ses intérêts particuliers, c'est-à-dire de son rôle au niveau national, alors que l'article 2 de la loi El Khomri donne davantage de poids aux négociations locales. Et pour le coup, moi, j'y suis favorable. C'est Virginie Calmatz, la première adjointe Les Républicains au maire de Bordeaux, Alain Juppé, qui est notre invité ce matin. Question de Véronique Jacquier. Oui, toujours à propos de la loi travail, vote solennel au Sénat aujourd'hui. Le texte a été profondément remanié et il a une orientation extrêmement libérale. Hein, fin des 35 heures, rétablissement du plafonnement des indemnités prud'homales à 15 mois de salaire. Est-ce que vous, si vous étiez sénateur, vous auriez pu voter ce texte. Écoutez, en tout cas, le texte remanié, parce que oui, je pense qu'on va dans la bonne direction avec une loi mal ficelée, mal préparée et qui finalement, là encore, montre comment le gouvernement est en bout de course. Et je trouve ça un peu triste pour la France d'en être à ce stade-là, à un an d'une élection présidentielle. Ce qui est qu'il faut absolument remanier le code du travail en France, donner de la flexibilité et donner de la visibilité aux entreprises. Donc quand on plafonne les indemnités, le but, une fois encore, on n'arrête pas de vouloir protéger le salarié. Ce qui est important, c'est de protéger l'emploi et de donner aux entreprises et aux entrepreneurs l'envie d'embaucher. Et ils auront envie d'embaucher s'ils savent que s'ils doivent se passer d'un salarié, et là encore, oublions ce côté dépassé de croire que le patron licencie, c'est pas sa première des décisions, c'est la dernière. C'est vraiment ce qu'il fait en dernier ressort, dernier recours, et bien qu'il sache combien ça lui coûtera au regard. Vous qui venez du privé, vous ça venez me semble privé, une bonne chose. Et vous dites que vous êtes jeune en politique, ce qui est vrai. Justement, quel regard vous portez sur ce climat quand même tendu en France à travers cette loi El Khomri ? Bah écoutez, je crois qu'on vous a... Est-ce que vous dites tout ça pour ça ? Oui, bah ça c'est sûr, je dis tout ça pour ça, parce que pour le coup, je ne comprends pas comment le gouvernement a cédé sur tout pendant finalement 4 ans, et là soudain fait semblant de faire preuve d'autorité en bout de course, alors que François Hollande a les yeux rivés sur une potentielle réélection. Donc ça, je trouve ça triste, et je trouve dommage que justement, et c'est pour ça que je soutiens Alain Juppé, on n'ait pas des personnes qui souhaitent tout à leur tâche pour 5 années, justement. Et qui fassent le job. Mais venant du privé, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même beaucoup à faire dans ce pays, et c'est pour ça que c'est enthousiasmant de s'engager en politique. C'est parce que je pense qu'on peut apporter beaucoup de choses. Alors justement, pour regarder votre engagement, Virginie Calmels, est-ce que vous allez peser, compter dans la campagne nationale d'Alain Juppé, à la fois les primaires et la présidentielle, s'il était retenu dans les primaires ?
Est-ce que vous allez être une porte-parole d'Alain Juppé national aussi ? Sur la campagne nationale, il me fait l'honneur de m'intégrer effectivement à son équipe de campagne. Donc moi, j'ai participé à mon humble niveau, mais de par mon passé de chef d'entreprise, à l'élaboration du projet économique. Et puis effectivement, porte-parole, ou en tout cas, je fais partie de son équipe. Pourquoi je vous pose cette question ? Parce que dans une interview dans l'Express Bordeaux d'Alain Juppé il y a quelques jours, à la question « Virginie Calmel s'occupe-t-elle d'une place à part à la mairie ?» Réponse « Non ». Et contrairement à ce que l'on raconte, je ne lui ai pas accordé encore de délégation générale de signature. Le moment venu, je la lui donnerai, sans doute. Vous avez extrait phrase où il explique... Oui, je la connais, mais vous... Donc, avez... est-ce que c'est parce qu'à Bordeaux, la question d'avant, ça prend moins bien que vous allez vous impliquer nationalement? Ça n'a rien à voir. La question juste avant, c'est qui pourrait lui succéder. C'est 20 pages pour expliquer que je pourrais lui succéder à la mairie de Bordeaux. Donc, cette phrase du contexte qui est là. Non, c'est lui qui souhaiterait que ce soit moi qui lui succède. Cette question, elle était liée. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un pouvoir de signature? La réponse est non. Il le dit très clairement, ce qui est aussi une façon de dire qu'il me les donnera en temps et en heure s'il juge que c'est nécessaire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est complètement transparent et c'est la vérité. Moi, je n'ai jamais prétendu avoir des pouvoirs que je n'avais pas. Qu'est-ce qui est le plus dur, le monde médiatique ou le monde de la politique? Alors là, sans hésiter, le monde de la politique. Législative, Gilles Leclerc. Virginie Calmels, quel est votre calendrier à vous? Parce que vous soutenez évidemment votre champion, on l'a bien compris, Alain Juppé, vous êtes maire adjoint de Bordeaux. Il y a aussi les élections législatives, donc imaginons le scénario Alain Juppé président de la République, vous devenez quoi? Alors j'ai été investi par ma famille politique pour la deuxième circonscription de la Gironde, donc qui est Bordeaux-Centre et Rive-Droite. En l'occurrence, comme vous l'avez vu, mon destin est très lié à celui d'Alain Juppé. Donc si Alain Juppé est président de la République, il fait de mystère pour personne qui ne sera plus maire de Bordeaux. À ce moment-là, il s'est prononcé en disant qu'il souhaiterait que ce soit moi qui lui suis accède à la mairie de Bordeaux et à la présidence de la métropole. Oui. Et ça signifie qu'à ce moment-là, je ne briguerai probablement pas une élection législative dans un contexte de non-cumul des mandats. Voilà. Si je me retrouvais maire et présidente de la métropole, je pense que c'est une tâche suffisamment enthousiasmante pour m'y consacrer à plein et surtout pas aller dans une élection si derrière je ne pouvais pas assumer... les électeurs vous font confiance et je crois qu'il faut ne pas trahir les électeurs. Virginie Calmels, vous avez dirigé Endemol, une grosse société de production de télévision. Vous avez été numéro 3 de Canal+. Dans le conflit qui oppose Vincent Bolloré, l'actionnaire de Canal+, via Vivendi, aux salariés de iTélévision, en grève depuis hier, reconduite aujourd'hui, vous êtes du côté du patron, Vincent Bolloré, ou du côté des salariés journalistes? Vous savez, j'ai quitté Canal+, il y a plus de 15 ans. C'est intéressant d'avoir. C'est compliqué. Les mêmes problèmes au fond qui subsistent. Il y a parfois effectivement l'histoire se répète. Alors de quel côté vous êtes? Non, là, je ne connais pas assez bien le dossier de l'intérieur. Donc, moi, je fais confiance à un grand capitaine d'industrie pour essayer de redresser une chaîne. Et je crois que c'est la mission qu'il s'est assignée. Après, sur la façon de le faire, vous savez, à Canal+, j'ai connu, il y a donc plus de 15 ans, aussi une restructuration de l'intérieur, un vrai débat sur la ligne stratégique de cette chaîne, le fait de savoir si oui ou non on gardait du clair. Et on est toujours dans le même débat. Et j'ai l'impression qu'effectivement, l'histoire se répète. Merci. Dans un contexte intérieur tout petit peu différent puisqu'il y a la concurrence de Beansport. Et ces questions vous intéressent encore beaucoup. Hein. Non, je ne les connais pas très bien, mais je les regarde quand même de loin, comme tout le monde. Mais je pense que c'est important, en tout cas, qu'on garde un champion audiovisuel comme Canal+. Merci Virginie Calmels, première adjointe Les Républicains au maire de Bordeaux, Alain Juppé, conseillère régionale de cette nouvelle région Aquitaine qui s'appellera dorénavant la Nouvelle-Aquitaine. Merci Virginie Calmels d'avoir été invitée de cette matinale d'info. On passe au débrief de ce que vous avez dit, à l'analyse de l'actualité avec Denis Jambard et Yves Tréhard dans un instant. Merci, au revoir. Voilà, aujourd'hui j'accueille Yves Tréhard qui s'assoit à l'instant éditorialiste au Figaro et qui dirige la rédaction, directeur adjoint. Et le service des sports. Alors ça, en ce moment, c'est important. C'est très important. Et Denis Jambard, éditorialiste. Bonjour Cyril. À Nice Matin, bonjour Denis, comme chaque mardi. On vous accueille tous les deux, on démarre ce débrief de ce qu'a dit Virginie Calmels, la première adjointe, Les Républicains, au maire de Bordeaux, Alain Juppé. Peut-être...
tout d'abord par la loi travail. Les Français, finalement, ne veulent pas d'un passage en force. Manuel Valls et Myriam El Khomri reçoivent les syndicats aujourd'hui. Si le gouvernement utilisait de nouveau le 49-3 pour faire passer la loi en juillet, 73%, c'est plus de points en un mois, trouveraient ça choquant. On en est où, Yves Tréhard? Vous savez, c'est une farce qui nous rend d'ailleurs... Une farce oui, c'est une farce. C'est une farce dramatique. Les gens ne le vivent pas comme une farce. Au sens cornélien du terme, voilà, c'est une tragédie. Les gens ne le vivent pas comme une farce. Au sens, c'est une illusion comique, voilà. Vous voulez dire quoi, c'est un jeu de rôle? Non, mais attendez, c'est grotesque. C'est un texte dans lequel il n'y a quasiment rien. La principale disposition qui suscite un débat tout à fait déplacé, c'est l'article 2 sur l'inversion des normes. Or, cette inversion des normes, elle figure déjà dans la loi de 2008 sur le travail. Le reste, c'est un rapport de force qui est engagé, une espèce de bras de fer qui est engagé entre des syndicats et notamment la CGT moribond qui ne représente encore une fois personne, sauf quelques bataillons de fonctionnaires qui sont tout le temps dans la rue. Non, regardez quand même. C'est la position d'Yves Tréhard. Regardez. et puis, en face, un gouvernement qui a fait des erreurs de méthode, je dirais, dans la réforme, qui sont colossaux. Ouais. Ces erreurs sont colossales. Non, mais alors, et aujourd'hui, si je peux l'interrompre, sinon il va faire des 10 minutes. Sur un fond, je dirais, de tension sociale et de désintérêt vis-à-vis du pouvoir qui est très, très marqué. Denis Jean-Bart, vous pouvez interrompre Yves Tréhard. Vous y avez droit. Merci. Mais rapidement. Oui, je vous passe la balle. Non, d'abord, je crois que la CGT, en effet, c'est une réaction de syndicats affaiblis, mais surtout, je pense que la CGT veut en finir avec la droite, avec la gauche. Et je veux dire, ils se projettent au-delà de 2017. Ils jouent le coup d'après. Et d'ailleurs, dans tout ce qu'on voit aujourd'hui autour de cette loi El Khomri, on joue le coup d'après. Les frondeurs et les syndicats qui préfèrent. Mais les Français, ma question sur les Français, pourquoi les Français adhèrent si massivement à ce mouvement? 73%, plus 2 points en un mois. Parce qu'il n'y a plus d'autorité. C'est le sondage Odoxa. Quand vous n'avez plus d'autorité au sommet de l'État, eh bien les Français ne croient plus à rien et donc ils ne croient pas à ces réformes-là. Et il n'y a plus au fond de. Il y a une légitimité démocratique, puisque nous, heureusement d'ailleurs, mais il n'y a plus de légitimité au regard de l'opinion pour gouverner ce pays. C'est un sondage de jugement du gouvernement. Deuxième problème d'autorité, peut-être en Europe, celui-là, le Brexit. La relation franco-allemande est très affectée par ce qui se passe. Les conditions de sortie des Anglais semblent peu communément acceptées aujourd'hui. Ils semblent ralentir les choses, les Anglais vouloir le ralentir. Ouais. Alors, qu'est-ce que François Hollande peut faire? Les Anglais jouent leur jeu. Qu'est-ce que peut faire François Hollande? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ça devient très compliqué. Moi, ce qui me sidère dans cette affaire-là, c'est que personne, on a le sentiment que personne en Europe n'a anticipé le Brexit. On a considéré que ça allait se passer comme ça. Alors, et vous avez des gens qui et vous assistez à une scène, pour reprendre une expression, à du théâtre. On s'agite, on fait croire que, etc., etc. Alors, redevenons sérieux, prenons le temps. Et moi, j'espère simplement que la question européenne sera au centre de l'élection présidentielle. Alors, Virginie Calmels, la première adjointe d'Alain Juppé, qui était notre invitée ce matin, a dit Cameron, David Cameron, le Premier ministre anglais, a joué avec sa propre réélection. Évidemment qu'il a joué. Vous êtes d'accord avec elle? Mais d'ailleurs, alors, je vais d'abord répondre sur Hollande. Hollande, qu'est-ce que vous voulez qu'Hollande fasse à Londres alors qu'il n'arrive pas à faire régner l'ordre à Paris? Alors vous vous rendez bien compte qu'il est complètement inopérant dans cette histoire. Deuxième chose, évidemment qu'il a joué, puisque c'était une promesse qu'il avait faite, tout comme, je le rappellerai, Tony Blair en son temps avait fait cette promesse. Tous les responsables politiques européens jouent avec l'Union européenne, dont ils le font le bouc émissaire, le cache-sexe de leur insuffisance politique et de leur incompétence, et l'Europe est l'otage de débats, d'intérêts particuliers. Mais ils ont créé une schizophrénie française, l'Europe, et après, chaque fois qu'il y a une difficulté, on dit que c'est à cause de l'Europe. Alors, pour en venir à ce que disait Denis Jean-Bart tout à l'heure, au fond, c'est la thématique de l'ordre qui est en train de prendre le pas, là, dans cette élection, avec, visiblement, ça sert Nicolas Sarkozy. L'ordre
Les conséquences. Les conséquences. Le retour de l'autorité. Oui. Et ça, ça sert Nicolas Sarkozy, visiblement, plus qu'Alain Juppé. Non, parce que quand il est la caricature de lui-même, je ne suis pas persuadé que ça le serve aussi. Vous savez, on est dans une course... J'essaie d'avoir une traduction en France de ces événements. Mais une course de fond, mais Nicolas Sarkozy, c'était aussi quelqu'un qui est un excellent candidat dans toutes les circonstances et qui, de plus en plus, fait figure de candidat, ce qu'il n'était pas jusqu'à présent. Et les Français commencent à s'intéresser de plus près à l'élection primaire, aux primaires, ce qui fait que, eh bien, c'est tout à fait normal que Sarkozy n'était pas à son niveau dans les sondages jusqu'à présent. La une de Nice ce matin, redoutable. Il ne s'agit pas des politiques, là. Non, c'était l'Islande hier soir, ça se passait à Nice, ils ont battu les Anglais, c'est le second Brexit en une semaine, ils sont sortis de l'euro. Donc, il y a eu la dégradation de la note anglaise. Oui, non, mais alors, un mot là-dessus, je pense que la chute de la ligne, c'est un formidable boost pour l'économie anglaise. Voilà, et le Figaro, c'est le Brexit, Hollande-Merkel, bien sûr. Bah oui, c'est Hollande-Merkel qui se regarde en chien de faïence et qui ne parle pas la même langue. Et en panne de projet pour l'Europe. Et en panne de projet pour l'Europe. Merci Yves Traer, vous étiez très en forme ce matin. Merci Denis et Jean-Bart, vous l'étiez, mais vous avez eu moins de chance de pouvoir l'exprimer. Moi, j'ai réussi à le couper quand même. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'info. Bonne journée à tous, les programmes continuent sur Public Sénat et sur Sud Radio. Merci.